Alors les amis, je sais pas comment vous l'annoncer, ça va beaucoup toucher les joueurs qui sont sur mobile, je pense, mais pas les joueurs qui sont sur console. Alors les amis, je suis vraiment désolé pour vous. Moi, je joue à ce jeu, ça me tient à cœur. Alors ne plus attendre. Les amis, Call of Duty Heroes, les serveurs de Call of Duty Heroes vont fermer le 22 décembre 2018. Et c'est une triste nouvelle pour les joueurs qui jouent depuis à la sortie du jeu. Personnellement, j'ai joué au jeu depuis 3 jours et franchement, j'ai bombardé le jeu. Franchement, j'ai beaucoup poncé sur le jeu. Franchement, tellement le jeu était vraiment génial. Et là, juste après, on me dit, le jeu nous a annoncé, nous a envoyé un message. Merci, commandant, d'avoir joué avec nous pendant, je sais pas, blablabla. Les serveurs seront fermés le 22 décembre et les achats EA ne seront plus disponibles. Alors là, quand je me suis dit ça, je fais non, on pourra plus jouer au jeu. Mais pour moi, là, j'ai réfléchi un peu et là, on me dit les serveurs. Qu'est-ce qu'un serveur? C'est où on peut. C'est un serveur, c'est un système où plusieurs personnes peuvent se rejoindre et faire des choses en même temps, dans le même endroit. Et qu'est-ce qu'on a de serveur dans ce jeu? Quel serveur on a dans ce jeu? Ben, j'ai remarqué que le seul serveur qu'on a dans ce jeu, ben, c'est les achats EA et le mode PVP. Mais je me pose beaucoup de questions sur ce sujet. Est-ce qu'il y aura encore le mode PVP ou il n'y aura plus le PVP? Franchement, s'il n'y a plus le mode PVP, ça ne me dérange pas vraiment. Franchement, j'y joue beaucoup au mode PVP, certes, mais il y aura toujours le mode campagne et le mode survie et le mode défi pour compenser cela. Mais par contre, si on me dit qu'on ne pourra plus jouer au jeu du tout, là, je serais vraiment triste pour moi et pour nous tous, joueurs Call of Duty Heroes sur mobile. Je serais vraiment triste, vraiment triste. Mais c'est pas grave, c'est juste un jeu, comme on dit. Et je pense peut-être si ça fermera le jeu, je pense peut-être qu'il pourra accueillir le prochain jeu Call of Duty sur mobile. Mais ça, c'est une hypothèse. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous donne des informations, des tutos. Voilà, bref, regarde ce que je fais un peu si ça t'intéresse. Et si c'est